Salut les cadavres, bienvenue dans ce nouveau décor qui est exceptionnel parce que non, je ne tournerai plus ici spécialement, mais il se trouve que là pour l'occasion, j'avais envie. Voilà, je suis dans mon salon que vous ne voyez pas et que je ne vous montrerai pas. Aujourd'hui, une longue vidéo normalement, sauf si je la coupe en plusieurs petites, ça j'ai pas encore décidé, ça va dépendre un petit peu de comment se passe le montage, pour parler de la petite aventure que je fais maintenant depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, où j'ai décidé de me lancer dans le costume d'un personnage de League of Legends. Et ça m'a demandé beaucoup de réflexion, parce que dans ce genre de cas, on aime bien porter les costumes des champions qu'on joue. Et quand je regarde les champions que je joue, alors soit le costume est juste impossible à faire, soit le costume est incroyablement compliqué parce que les personnages sont pas vraiment humains, et ça facilite pas les choses, soit ce sont des meufs, et alors du coup il me reste pas grand chose. Et après avoir regardé un petit peu ce qui s'offrait à moi, et écarté les champions que j'aime pas du tout, parce qu'il y en a que je trouve vraiment soit très moches, soit très inappropriés, m'en restait un seul, et vous allez voir que c'était pas évident, parce que il est black, c'est Lucian. Alors me voilà parti faire le costume de Lucian, et évidemment le seul que je pouvais faire étant donné que moi-même je ne suis pas black, c'est Lucian Projet. Lucian Project, on va dire. Vu qu'il a un casque sur la tête, bah, et qu'il est armuré de haut en bas, on va dire que c'est le plus facile à contrefaire, vu que je suis blanc. Eh ben, croyez-moi, croyez-moi pas, ça n'a pas été une partie de plaisir. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est pas encore terminé. Il me manque deux pièces, dont une assez importante. D'ailleurs, pour ça que vous voyez pas le costume tout fait, tout fini. Il faut encore que je fasse le gant de la main droite, qui est pas très compliqué en soi. Et il faut que je fasse la jaquette, et là c'est déjà plus compliqué. Et là vous allez me dire, ouais mais Lucian Project il a pas de jaquette. Et je vous dirai, ouais Lucian Project il a pas de jaquette. Mais le mien oui. Parce qu'en fait je me suis retrouvé confronté à un problème que j'imaginais pas, et qui a pris une ampleur assez importante. Figurez-vous que le costume de Lucian Project, si vous le réalisez comme vous le voyez à l'écran, il est juste importable. Ou alors, quand vous le mettez, vous avez l'air d'un sac à patates. Ben, bien malgré moi, et malheureusement un peu tard, je me suis rendu compte qu'en fait, la morphologie de Lucian, pas que dans le project, hein, d'à peu près tous les Lucians, ben en fait, elle n'est pas vraiment humaine. Sauf si vous êtes un basketteur noir de 2m20. Alors là, peut-être que vous arriverez à faire quelque chose, mais comme je ne le suis pas, ben, je me suis retrouvé avec... comment dire ça? Des représentations dont je devais juste m'inspirer et pas copier, parce que si je les copiais, c'était ridicule. Parce que le vrai Lucian, il a des hanches ridiculement fines, des épaules ridiculement développées, des jambes à la Adriana Carambeu et une tête très longue. Et du coup, je peux pas arriver à singer tout ça. Au final, ça donne un travail assez compliqué, parce qu'en fait, il faut arriver à imaginer le costume qu'il soit clairement identifiable à Lucian, inspiré, mais pas copie conforme, et donc c'est pas évident. Et le meilleur exemple, c'est justement cette jaquette, puisque le Lucian Project, si vous le mettez de dos, vous verrez qu'il a deux espèces de... difficile de qualifier ça, on va dire, deux espèces de d'ailes de libellule. C'est le plus approchant, deux ailerons qui normalement sont métalliques, qui partent de ses hanches et qui descendent en ligne droite. Et ben, je vous promets que si vous tentez de faire ces ailerons là sur une armure, et je le sais parce que je l'ai tenté, alors au mieux vous avez l'air d'une libellule géante avec deux trucs qui flottent pendus à votre cul, au pire vous vous trimballez avec deux planches à repasser, et à chaque fois que vous marchez c'est juste ridicule.
on n'a pas la latitude des personnages du jeu vidéo, où comme par hasard, les polygones s'adaptent au mouvement et tout a l'air formidablement beau. Et tous les costumes que j'ai trouvés, parce que j'ai regardé ce que les autres ont fait pour m'inspirer, c'est toujours intéressant de voir comment d'autres fabricants de costumes, j'aime pas cosplayer, j'essaierai d'éviter le mot aussi longtemps que possible, d'autres fabricants de costumes ont rendu Lucian Project, et ben, c'est ridicule. Alors ils ont beau prendre des poses, etc. Les deux petites ailettes, alors soit ils les ont carrément pas mises, exit, soit ils les ont faites toutes petites, et du coup on voit pas bien l'intérêt, soit elles sont effectivement grandes et on a l'impression de... Je sais pas, c'est à mi-chemin entre la menthe religieuse et le bouseux, ou le cafard, c'est bizarre. Ça fait... En tout cas, je voulais pas ça. Et un truc qui est très intéressant dans les skins Lucian non project, c'est quand même sa putain de veste qu'il porte, hyper proche du corps, hyper cintré, et qui part derrière en, vous savez, en pointe comme ça, en jaquette de chef d'orchestre, pour simplifier. C'est toujours élégant, c'est toujours sympa, ça habille toujours bien. Et je me suis dit, tiens, dans ma version du Lucian Project, j'ai pas envie qu'il n'y ait pas justement les deux pointes que tout skin de Lucian a, ces deux petites pointes de veste. J'ai envie qu'elles y soient. Alors, je les ferai pas en métal parce que c'est ridicule. Ben, je vais les faire en tissu. Et du coup, je vais essayer d'imaginer une redingote. On va appeler ça redingote pour simplifier, parce que je vais pas vous dire à chaque fois l'espèce de petite veste qui termine en pointe. Hein. Une redingote, mais qui soit project compatible, donc futuriste, et qui aille bien avec le costume. Hein, vous voyez que hein, c'est voilà, c'est problématique. Mais bon, mis à part ça, tout le bas est fait. Le bas, ça veut dire les chaussures, les jambières, les genouillères, les cuissardes, la ceinture. Ça, c'est réglé. Le torse... on va dire le pectoral, grosso modo, avec les épaulettes, c'est fait. Le casque, c'est fait. Le bras gauche, qui est entièrement robotisé, c'est fait. Fixation comprise. Le bras droit, bah, techniquement, il est complètement nu, mis à part le gantelet, donc il me reste à faire le gantelet. Et cette veste. Alors, je vais pas tout vous filer comme ça, claque en photo, parce que je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que moi j'aime bien expliquer les choses et que si ça se trouve, ça intéressera ou aidera ou inspirera quelqu'un. Et puisque globalement le bas est nettement plus fini que le haut, eh ben, on va commencer par en bas et puis on va remonter petit à petit. Pour ne rien vous cacher, le bas d'un costume, depuis que j'en fais, c'est toujours ma hantise. Je trouve ça hyper compliqué d'arriver à habiller des jambes et que ça ait l'air gracieux, sympathique et pas lourdeau. Et le truc que j'ai appris en ces quelques années, parce que j'en ai pas beaucoup hein, d'expérience, c'est que la solution la plus cheap ne marche jamais. Comme c'est la partie la plus complexe, comme c'est la partie où on a le moins de possibilités de cacher ou de maquiller les choses, il faut aller dans le détail et dans l'excès de précaution. En fait, il faut accorder une attention toute particulière aux jambes. Parce qu'en fait, même si personne ne les regarde, en général, quand vous arrivez avec votre costume, tout le monde regarde bah, le torse, les épaules, le casque, l'arme, mais tout le monde voit les jambes. Et si les jambes sont ridicules, bah, votre costume, je trouve qu'il est foutu. Puisqu'en fait, toute la silhouette est foutue. Et ma première approche était donc pourrie, puisque ma première approche, c'était de faire au plus rapide et au plus discret. Et en fait, j'avais fait une bande de mousse, une large bande de mousse fine, qui enveloppait la jambe sur laquelle j'avais peint un trompe-l'œil. Et ok, peut-être que vu de très très loin ça marchait, mais alors franchement vu de près, j'aurais pu m'enrouler les cuisses dans du jambon, ça aurait rien changé quoi. Et je me suis retrouvé avec un costume de Lucian version 1 qui me plaisait pas du tout parce que j'avais essayé de coller au plus près de ce qui existait et ça marchait pas. J'avais pas envie de le jeter, j'avais envie de partir de l'existant pour le transformer et l'améliorer. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que cette bande de mousse qui enveloppait mes mollets, je l'ai gardée et je m'en suis servi comme base pour attacher toutes les futures parties d'armure de jambes
qui allait entourer mon mollet. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout collé dessus. Et c'était une putain de bonne idée, en fait. Même si j'ai eu un doute au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des morceaux de mousse épaisse, un peu comme un puzzle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il était prévu que, une fois mise côte à côte, les parties de mousse, elles s'assemblent. Et j'ai collé tout ça sur l'armature en mousse. Et petit à petit, vu que l'armature en mousse, elle, était déjà à la forme de mes mollets, j'ai vu apparaître les jambières, morceau par morceau, et ça m'a semblé assez crédible. Et si vous regardez les jambières de Lucien, comme la plupart des jambières de personnages d'Heroic Fantasy d'ailleurs, elles sont toujours très très proches de la cheville et s'évasent vers le mollet. Si vous prenez les chevaliers du Zodiaque par exemple, c'est quasiment moulé sur leurs jambes. Et c'est pour nous qui fabriquons des costumes, c'est quasiment impossible à faire, ou très compliqué, d'avoir cette arrondie cheville-mollet. C'est super complexe. La seule solution que moi j'ai trouvée, c'est, outre le fait que globalement la jambière est en pente, j'ai rajouté des morceaux sur la partie haute, sur la partie mollet, histoire que, vu de loin, ça gonfle le volume et que, par opposition, la cheville paraisse plus fine. Même après avoir terminé, avant de mettre en peinture, je trouvais ça un petit peu brut de décoffrage, surtout sur le devant. Vous avez à l'avant de la jambière une plaque qui en fait est assez grosse, qui fait toute la façade avant du mollet. Et quand vous regardez les artworks et les cosplays de Lucien Project, la jambière est quand même bien plus détaillée et bien plus découpée. Et ça me faisait jambe de Transformers. Et après coup ça veut dire quoi? Ça veut dire après que j'ai mis du latex et, pour être honnête, après avoir peint. C'est-à-dire le truc était peint et verni. J'ai pris un cutter. J'ai tracé une ligne centrale, verticale, jusqu'à peu près 3 quarts de la plaque, et je l'ai divisé en V, un qui part de chaque côté, et j'ai sorti le pistolet à chaleur, et avec une infinie précaution pour pas que le latex crame, j'ai réussi à ouvrir le motif après peinture. Et en regardant, je me suis dit, ouais, là ça rend bien, là je suis content. Une autre complexité dans la réalisation de la jambe, et qui m'est arrivée sur les costumes que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la genouillère. Quand vous faites une genouillère, soit elle est indépendante et elle est réellement fixée au genou, soit elle est accrochée à la jambière, et plus rarement accrochée à la cuissarde. Sur le costume de Seigneur Sith, la genouillère, elle est indépendante. C'est une vraie genouillère de travail que j'ai repeinte, travaillée, mais qui est fixée avec des élastiques. Là, je pouvais pas, et je voulais pas surtout, parce que c'est super massif. Or, la genouillère de Lucien, elle est quand même fine et allongée. Et du coup, il fallait que je la fixe sur la jambière. Et c'est toujours un moment où on se dit, ok, ça va se péter la première utilisation, ça va pas tenir, ça va bailler, c'est mal barré, quoi, en gros. L'idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, à l'intérieur de la jambière, j'ai collé une languette qui va de la cheville jusqu'au genou. Et c'est une languette de plastique. Alors c'est un plastique que j'ai récupéré de peaux en plastique. Des peaux à la con que j'ai découpées au cutter, quoi. Vous obtenez une sorte de plastique qui est à la fois souple et à la fois rigide, parce qu'il revient tout le temps en forme. C'est très compliqué à plier, en fait. Par contre, ça réagit très bien à la colle. Du coup, j'ai collé cette longue languette en la faisant dépasser de la jambière. Et elle m'a servi de rebord pour pouvoir coller dessus la genouillère. Même si la genouillère est plutôt fragile au final, et bien grâce à cette armature qui traverse toute la jambe, elle ne penche pas en avant, elle ne penche pas en arrière, elle ne se tord pas. Et pour réaliser la genouillère en elle-même, pas compliqué hein, finalement, hein, j'ai dessiné une sorte de losange dont j'ai enlevé le haut, j'ai coupé le losange en deux, j'ai enlevé à peu près 10 degrés d'épaisseur dans chaque coin, pour que quand je la recolle, ça fasse un angle, un petit angle. D'habitude, je faisais du 45 degrés, mais quand on fait du 45 degrés, on obtient un angle à 90 quand on colle les deux. Et le but, c'était pas que ça fasse... ma genouillère est une lame pointue. Le but, c'était qu'il y ait un petit arrondi. Donc 10 degrés d'un côté, 10-15 degrés, hein, j'ai pas calculé non plus. 10-15 degrés de l'autre, quand vous collez, vous obtenez assez naturellement une espèce d'arrondi avec une arête centrale. Bien évidemment, l'arête centrale, je l'ai comblée avec de l'enduit de rebouchage pour essayer que ça soit le plus lisse possible. Je suis pas encore un pro de l'utilisation de l'enduit de rebouchage,
Il faudrait que je m'améliore. On voit encore la marque, on la voit moins, ça atténue énormément. C'est toujours très pratique cette matière parce que elle est très malléable quand vous l'utilisez. Il suffit d'eau pour la rafraîchir. Et quand vous laissez sécher, ça devient dur comme de la pierre. Et honnêtement, si vous avez bien lissé et bien poncé, on voit pas trop la différence. Je me suis donc retrouvé avec deux jambières et leurs genouillères accrochées. Et je me suis alors tourné vers l'élément, enfin un des éléments qui pour moi est les plus complexes, parce que situé en bas, mais vraiment en bas, les chaussures. Les chaussures, putain la galère. Quand vous faites une chaussure, à moins de tomber sur une chaussure toute faite et qui correspond exactement à votre modèle, les chaussures, il faut vous dire, vous allez devoir marcher dedans. Donc si vous collez du plastoc dessus, si vous collez de la mousse dessus, il faut calculer que en marchant, vous allez plier votre pied. Et si vous marchez toute une journée en convention, il faut vraiment que ça tienne. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de plastoc qui se mette à sauter ou un bout de mousse qui se casse en deux ou qui tombe. Et du coup, il faut penser à ces articulations, il faut penser à avoir une démarche logique, il faut penser au fait qu'il faut savoir enlever les chaussures et les mettre facilement. Bah ouais, c'est con, mais c'est compliqué en fait. Si vous faites une chaussure complètement cadenassée, bah pour enlever et pour la remettre, vous allez un peu en chier, quoi. Et quand vous regardez les chaussures de Lucien, eh bien en fait c'est un carcan complètement métallique, complètement chevalier du zodiaque pour le coup. C'est un pied moulé au plus proche et couvert de deux grandes et longues languettes de métal qui comme par hasard se plient bien au bout. Bon ben ça moi en mousse je sais pas faire. Voilà, j'ai vaguement essayé. J'ai terminé avec des espèces de sabots hollandais pas très sympathiques. Là pour le coup, j'avais pas vraiment de structure du premier costume. C'était encore une interrogation, comment j'allais faire les chaussures. Et j'ai tenté quelque chose qui par chance a marché. Je me suis dit, on va partir de chaussures qui sont entièrement en plastique. Comme ça, on va pouvoir les faire fondre au pistolet à chaleur. On va pouvoir les modeler un peu. La colle, pistolet à colle va bien réagir dessus. Et j'ai acheté une paire de crocs. C'est pas cher, c'est 4 euros. C'est hyper confortable, paire de crocs. Ça s'enfile, ça s'enlève en claquant des doigts. J'ai pris une paire de crocs en caoutchouc noir, comme ça c'était déjà noir de base. Et après avoir fait plusieurs tentatives, la croc c'est quand même épaisse. C'est quand même un gros sabot. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec un ciseau, j'ai enlevé toute une partie de l'avant de la crocs. Alors j'ai pas entièrement coupé l'avant, hein, comme une tongue quoi. J'ai laissé juste un fil, enfin une partie de caoutchouc pour que la semelle soit quand même reliée à l'anse qui enserre le pied, pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais j'ai viré tout le reste, c'est-à-dire là où se trouve le pouce et là où se trouve le petit doigt, en fait il n'y a plus rien. Ça m'a permis d'avoir quelque chose de bien plus affiné. Ensuite je l'ai passé au pistolet à chaleur et je l'ai malaxé et tordu jusqu'à ce qu'elle s'affine un peu et qu'elle perde un petit peu son côté épais. Mais bon, j'avais la base, mais j'avais pas encore l'aspect futuriste. Et je me suis mis en quête dans des magasins à 3 francs 6 sous de conteneurs en plastique, genre bouteille, qui auraient une forme sympa. En me disant, ben tiens, je vais couper la bouteille, je vais récupérer la partie qui m'intéresse, et je vais la coller, la déformer et la coller sur les crocs. Et j'ai fini par trouver une bouteille de... Alors, du shampoing pour voiture, je crois. Enfin, peu importe, hein. Mais ça avait le look. Je voyais quelle partie je pouvais couper, récupérer et coller sur les crocs pour que ça ait une tête de chaussure de Lucien. Après, ça a été pas très compliqué. Découpage, chauffage, un peu en arrondi quand même pour que ça entoure le pied, et collage violent sur la crocs au pistolet à colle. Latex, peinture... Les godasses ont été réglées en 2 secondes. Et pour le talon, j'ai fait une technique que j'avais déjà essayé d'employer pour le costume site mais qui n'avait pas marché. C'est que j'ai collé sur l'arrière du talon une bande de mousse semi-circulaire, très haute, comme si c'était un immense talon qui est entièrement en métal. Et l'un dans l'autre, une fois que c'est fini, c'est relativement effilé. Pas autant que le costume réel de Lucien,
mais ça a l'air effilé, ça allonge le pied. Et ça a une importance parce que comme Lucien est grand, il a des grands pieds. C'est con, mais il faut pas avoir des petits petons qui font du 36. Il faut avoir des grands pieds et des pieds longs. Et vous verrez que j'ai eu le même souci quand j'ai fait le casque, c'est que comme Lucien est grand, il fallait que le casque soit plus grand que ma propre taille. Il fallait que le casque monte en hauteur. Et vous verrez comment j'ai fait. Voilà pour les pieds, voilà pour les jambes. Je me suis pas de suite attaqué aux cuisses, parce qu'en fait, les deux cuisses allaient fatalement tenir grâce à la ceinture. Il fallait donc que je conçoive d'abord la ceinture. J'ai essayé de faire 2-3 tentatives un peu ratées, et au final, je n'ai gardé qu'une grosse ceinture. Alors comment j'ai fait la ceinture? J'ai pris deux bandes de nylon que j'ai cousues ensemble pour obtenir une large bande de nylon qui fait le tour de ma taille. Et j'ai fixé au bout des bandes un clip, mais pas un petit clip comme j'ai utilisé pour les épaulettes de l'armure Sith. Un énorme clip de... Alors de mémoire, je crois que c'est un truc qui sert à enserrer les valises et qui a un petit code dessus. Mais du coup, le clip fait bien 10 cm de large. Et lorsque je la porte, l'endroit où il y a les codes, en fait, il est contre mon ventre. Je veux avoir à l'extérieur l'aspect intérieur de la ceinture. Pourquoi? Parce qu'il est large et plat. Et que du coup, je vais pouvoir coller des trucs dessus. Alors que si je la mets dans le sens normal où on le porte, ben à l'extérieur, j'ai toute la partie avec les petites molettes à code. Et c'est pas plat, c'est pas droit, et du coup c'est pas intéressant. Partant de ça, j'ai cousu deux bandes de nylon qui pendent, et qui pendent sur les deux côtés en fait, et qui vont sur les cuisses. Un peu comme un porte-jartel, si vous voulez. Ces deux bandes-là, elles ont du velcro dessus, parce que c'est là que je viendrai attacher le haut des cuissardes, qui du coup tiendront grâce à la ceinture. Elles seront un peu pendues à la ceinture et entourées autour de la cuisse. Une fois que ça a été fait, il a fallu bien évidemment habiller la ceinture. Et là, quand vous regardez les artworks ou les cosplays de Lucien, vous voyez que en gros, à la ceinture, il a des petites poches de chaque côté. Hein, il en a plusieurs à gauche, plusieurs à droite. Il a une boucle de ceinture qui est assez discrète. Et il a une sorte de coquille, mais très fine. Et heureusement qu'il faut qu'elle soit très fine, parce qu'en fait, les cuissardes qui entourent les jambes de Lucien sont très grosses et très épaisses. Et du coup, si vous faites une coquille de cette taille-là, ben en fait, elles vont taper dans les cuissardes. La coquille de Lucien, elle est vraiment très très fine. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. Pour réaliser les pochettes sur le côté, ça n'a pas été bien compliqué. En fait, j'ai découpé dans du papier une sorte de croix. Une sorte de croix avec des pans assez larges. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié chaque bord de la croix vers l'intérieur, les uns sur les autres, en les collant avec avec un pistolet à colle. Et au final, quand vous faites ça, vous obtenez une sorte de sandwich que vous fermez avec un petit bout de mousse. Tout ça est collé, tout ça est bombé en noir, tout ça est peint en marron, éclairci. Et après, j'ai passé un peu de cirage marron que j'ai frotté très très vite, sauf la petite boucle faciale que j'ai peint en argenté. J'en ai fait 4, ça m'a pris 2 heures à peu près, avec la peinture, le séchage, tout ça, tout ça. Et ensuite, bah, c'est pas bien compliqué, sur la ceinture, j'ai collé une longue bande de mousse qui fait tout le tour. Sauf que c'est pas de la mousse super épaisse, c'est de la mousse de piscine hyper fine et hyper flexible. Vous n'avez même pas besoin de la chauffer au pistolet à chaleur en fait. Simplement pistolet à colle, vous coupez votre bande à la largeur des deux bandes de nylon. Vous faites le tour de votre ceinture. Ça a un aspect final assez nickel. Et pour renforcer un peu l'aspect nickel, les deux bouts qui arrivent devant, qui arrivent à côté de la boucle, j'ai rajouté une petite languette de mousse fine qui fait le tour. Ça fait un peu finition, hein. Franchement, ça renforce l'aspect fini de la ceinture. Et sur le côté de la ceinture, j'ai collé deux pochettes à droite, deux pochettes à gauche. Pas la peine que je m'emmerde à faire le derrière. Parce que le derrière va disparaître sous la jaquette. Sur la boucle que j'ai donc mis à l'envers, j'ai collé une plaque de mousse
vaguement rectangulaire sur laquelle j'ai dessiné au cutter un motif que j'ai ouvert au pistolet à chaleur. Et j'ai accroché en dessous la fameuse coquille en pointe, un petit peu courbée au pistolet à chaleur pour qu'elle passe quand même entre les jambes. Et à l'intérieur, j'ai collé une deuxième couche de mousse, en fait, pour pas que la coquille parte complètement entre mes jambes et, entre guillemets, bascule vers l'avant. Bascule toute la ceinture vers l'avant. Ça fait que, globalement, grâce à ce renfort de mousse, qui tape, ou vous imaginez que ça pourrait bien taper, la ceinture reste droite. Peint en noir, et j'ai rajouté dans le noir une goutte de bleu. Pourquoi une goutte de bleu ? Parce qu'en fait, le pantalon et le t-shirt qui vont avec le costume sont bleus à la base, sont bleu marine à la base, et je les ai teints en noir, mais quand vous faites ça, ça reste quand même bleuté. Et je voulais que certains éléments du costume se fondent dans ce bleu-là. Donc la coquille a de légers reflets bleus. Quand vous regardez les artworks, certains, et les costumes, en fait, la ceinture ne se dénote pas, ne se démarque pas de la couleur du costume. Maintenant que tout ça a été fait, il me reste quoi ? Il me reste les deux cuissardes. Et grand bol pour moi, les deux cuissardes de Lucian Project ne sont pas symétriques. Elles sont différentes l'une de l'autre, et du coup, c'est hyper agréable de pouvoir se lâcher dans un design sans se dire « Oulala, attention, il va falloir que je refasse le même symétriquement de l'autre côté. » La première cuissarde, c'est visiblement des morceaux de cuir ou de choses couvertes de cuir en forme de carapace, un petit peu arrondie, avec toujours ces motifs un petit peu hexagonaux project. Et elle a été assez facile à faire parce qu'en fait, je l'ai faite d'un seul tenant. Elle n'est pas composée de plusieurs morceaux collés entre eux. J'ai découpé la forme globale dans une plaque de mousse. Comme le haut est arrondi, j'ai énormément chauffé le haut de la mousse. Et après, je l'ai appuyé très très fort dans un bol, un grand bol, un saladier en fait, dont le fond est bien rond. Et une fois que c'est refroidi, quand vous retirez la plaque de mousse, le haut est arrondi. Et du coup, il n'y a pas de fixation à faire, il n'y a pas de question de solidité. Tout ça est d'un seul tenant. L'arrondi va autour de la jambe, l'arrondi global. L'arrondi du haut gonfle un petit peu la cuisse, ce qui n'est pas dégueulasse. Histoire qu'il y ait un petit peu de contraste, j'ai rajouté trois écrous, trois verrous qui en fait sont faux, hein, évidemment. Ça, c'est la fameuse technique de j'appuie ma Dremel jusqu'à ce que ça creuse. Et ça fait un creux et un relief à l'intérieur. Tout est peint en noir, le relief est peint en argenté. Et on a l'impression qu'il y a un système de fermeture. Sur le côté gonflé de la cuissarde, j'ai collé un scratch. Et ce velcro va s'accrocher au velcro qui pendouille au fil de la ceinture. Et au niveau de la cuisse, pareil, il y a une bande de nylon qui fait le tour de la jambe et qui se serre avec une petite attache. De l'autre côté, c'était plus compliqué parce que quand vous regardez les bases Lucian Project, vous voyez quoi ? Vous voyez qu'en fait, visiblement, il y a plusieurs couches. Il y a une série de lamelles métalliques verticales qui sont toutes enserrées ensemble par deux lamelles horizontales avec une plaque qui a l'air un petit peu surélevée au centre. Et je voulais faire encore une fois tout d'un seul tenant, sauf que là, vu qu'il y a des épaisseurs, ça devient un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait d'un seul tenant, c'est la plaque à lanière. Et en fait, je l'ai pas coupé, j'ai pas coupé les lanières complètement de haut en bas. J'ai laissé la mousse intacte à l'endroit où il y a les bandes horizontales. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour que l'ensemble soit plus solide. Parce que quand vous coupez comme ça une plaque de mousse de haut en bas et qu'après vous l'arrondissez au pistolet à chaleur, on va dire que l'arrondi a tendance à se faire comme par hasard dans les rainures et à les agrandir et à les morceler. Alors que là, comme j'ai laissé deux bandes intactes sur toute la largeur, en fait, quand j'ai arrondi, j'ai fait mes pressions sur la mousse intacte et j'ai réussi à garder un arrondi assez logique. Et ensuite, j'ai utilisé la petite mousse très fine que j'ai fait pour la ceinture. Je l'ai utilisée en bande, j'ai recouvert horizontalement, tout en prenant soin de garder l'endroit où il y a cette petite surélévation, où là, j'ai rajouté une plaque de mousse épaisse taillée à peu près aux mêmes dimensions. Ensuite, la peinture en trois temps, bien évidemment, le rajout en mousse épaisse en marron,
avec des fixations métalliques. Les bandes horizontales sont dans un argenté qui est très clair, puisqu'elles se détachent, alors que les bandes verticales en dessous, l'argenté est plus sombre, et une fois que j'ai eu terminé l'argenté, j'ai pris du bleu et du noir pour obtenir un bleu sombre, j'ai mis beaucoup d'eau, et j'ai barbouillé par-dessus et essuyé avec un chiffon pour qu'il y ait quand même ce reflet bleuté. Pour les fixations, même combat, sauf que j'ai pas voulu mettre une attache, j'ai mis des velcro en haut et en bas. Oui, parfois ça m'arrive de varier simplement les plaisirs. Ne serait-ce que pour comparer, c'est lequel le plus sympa, et entre nous, le plus sympa et le plus pratique, c'est le velcro. Mais voilà le souci du velcro, c'est que le velcro, quand vous le collez, quand vous l'attachez, si jamais vous avez mal calculé votre coup et que les deux bandes de velcro elles tombent pas l'une en face de l'autre, vous êtes dans la merde. Alors que si c'est une attache, eh ben vous pouvez régler. Si jamais vous gagnez du poids ou que vous perdez du poids, une attache, vous pourrez toujours ajuster le résultat, alors qu'un velcro, vous serez un peu dans le caca. Voilà mon capitaine, on en est à au moins une demi-heure de vidéo. On va s'arrêter là pour le début du costume et on reprendra déjà quand j'aurai terminé le gant en droit. Et la veste qui, je vous avoue, me pose un sérieux problème en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant il me tarde d'aborder le haut parce qu'il a été assez challenge à faire. En fait, le bas m'a posé beaucoup de problèmes, mais quand j'ai eu trouvé la solution, tout s'est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs pour ça que la vidéo est aussi courte. Le haut, c'est pas le même délire, c'est que j'avais l'idée. Mais réaliser l'idée a été parfois assez complexe. Allez les cadavres, je vous embête pas plus. À ciao !